à Saint-Pierre en mode festival, on a chopé Gotenk. Enfin, ça a tourné, tu vois. Ça a tourné, il me restait 7 pierres. J'ai dit, bon, allez, vas-y, on va voir si la roue tourne. Bah oui, la roue est tournée. Donc, on a chopé notre petit Gotenk. Je suis assez content. Franchement, c'est stylé, mon gars. Voilà, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Bon, maintenant, on va aller l'entraîner direct. Donc, c'est, il a de la patate. Il a de la puissance. On va aller voir ce qu'il va lui falloir. Hop. Qu'est-ce qu'il te faut exactement, mon pote? Il te faut ça. Et il va te manquer celle-là, ça me fait plaisir. Ah, par contre, le vieux caillot, ouais, d'accord, ok. Hop, hop. Insuffisant pour tortue géniale, mais suffisant pour ça. Ok, tortue géniale, je vais aller former. Et je vais prendre et je vais acheter une au magasin pour le vieux caillot. D'accord, ça marche. Je fais ça. 101 275 000. Ok. Donc là, on passe à... Ok, on passe à ça. Donc, on va aller l'entraîner direct. C'est parti. Hop. Niveau 17. Putain, je suis content. En plus, c'est de la puissance. Il me fallait un perso de puissance. Super. On va rajouter ça. Allez, c'est parti. Go training. Go training. Je vais changer de map. Je vais prendre la dernière. Ah, déjà utilisée pour vous, c'est vrai. Hop. 31. J'espère qu'il envoie de la patate. Hein. J'espère qu'il envoie de la patate. Normalement, oui. Surtout quand on va pouvoir l'éveiller. Super succès. x2. Hein. Bah, c'est bien. Ça. x2, ça déchire. Ça déchire. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis assez content de mon affaire. Pour une fois que dans le pack, en plus, il me restait qu'une, il me restait que 5 pierres. Et pour 5 pierres, franchement, toucher ce perso-là, franchement, c'est pas mal. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Niveau 32. Pas mal, pas mal. Donc maintenant, je vais aller entraîner mon perso. Je vais aller voir dans mon équipe avec qui on va pouvoir le remplacer. Je crois que je vais le remplacer à la place de Freezer. Parce que mon Freezer, deuxième transformation, je ne suis pas très, très, très convaincu de mon Freezer en puissance. Donc je vais le changer et puis je vais passer par Gotenk. Je vais passer par lui. Franchement, je pense que sur le long terme, avec l'éveil et tout, je vais le mettre au max. S'il faut, je peux le docken, je le docken. Et là, je pense que je vais avoir une vraie putain de team de ouf, tu vois. Après, c'est 13 aussi, il manquera son éveil. Gotenk, pareil. Et je pense qu'après, j'aurai une bonne team opérationnelle. À voir si je trouve un meilleur Goku plus tard. Yeah! Enfin, la roue tourne!